coming down. See the shadows of my love. Where all the monsters came. Maybe blue eyes. Salut à tous, c'est Seven, c'est Cabal et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 13 sur Watch Dogs. Donc je vais un peu le retour vidéo aussi. Ouais, c'est bon, ça va être plus. Et donc la fois dernière, qu'est-ce qu'on avait fait déjà? On avait infiltré le truc avec les bateaux, enfin la restauration de bateaux, Racine, etc. On avait rattrapé le mec et on l'avait neutralisé. Donc, ben on va continuer. Ah non, c'est même pas ça en plus, je dis des conneries. La fois dernière, c'était dans l'hôtel. Et l'hôtel a cramé. Ah ben si, on l'a peut-être fait pendant la même mission, ouais je crois. Pendant la même vidéo. Avec Clara et tout a pété. Voilà. Un pied dans la tombe. J'ai perdu tout ce que j'avais. Tous mes disques durs et même mon accès réseau. Il faut que je trouve le moyen de me remettre en ligne. Et elle est où, Clara? Oh, fais gaffe, Aiden. Tu peux pas la mêler à tout ça. Tiens. Merci. Ces types, c'était qui? Aucune idée. Ils ont dû repérer la recherche sur le site iOS. C'est de ça que je voulais discuter. DedSec raconte que quelqu'un d'autre a les codes de piratage. Tu sais, ce que je t'ai donné... Non, attends. Je les ai donnés à personne, tu peux me croire. Il faut qu'on se fasse confiance. Bon, écoute, j'ai pas vraiment le temps de te rassurer, Clara. Si tu me crois pas, j'y peux rien. Quelqu'un a mitraillé ma chambre de motel. Ma sœur a disparu et j'ai aucune piste. Alors t'es pas ma priorité pour l'instant. Non, bien sûr que non. Je le sais, ça. Tu connais cet endroit? Quelque part par là, c'est censé être le premier site de test du site iOS. On l'appelle le bunker. En tout cas, c'est ce que dit la légende urbaine. Le bunker? Avec accès à la ville entière? Un accès indétectable. J'ai fait des recherches pendant des mois. J'ai épluché le cadastre, quadrillé la ville et cherché tous les trucs cachés. Il y a une zone vierge sur toutes les cartes, juste là. Enfin, dans le coin. Et pour le motel, j'ai peur que t'aies perdu ta caution. Faut qu'on le trouve. Faut que je trouve comment entrer dans le bunker. Un accès fantôme à toute la ville. Ça peut être utile. M'aider à entrer. Tobias Frouer. Bon, quelqu'un est allé sur l'île il n'y a pas très longtemps. Son nom, c'est Tobias Frouer. Bien sûr. C'était un des pionniers du site iOS, jusqu'à ce que Bloom décide de le virer. Ce mec, soit il est fou, soit il prend des trucs. Peut-être même les deux. On a essayé de le contacter, pour voir ce qu'il savait sur l'île, et il nous a sorti son fusil à pompe. Il habite pas loin d'ici, dans un campement de sans-abri. Il est SDF? Il tient un magasin clandestin, surtout. Les gars de DedSec y vont quand ils ont besoin de matériel spécial. Mais laisse tomber, il dira rien, c'est un parano. Je suis du genre persuasif. Attends, je vais voir ce qu'il sait. Bon, je te laisse parler, d'accord? Tu crois vraiment que cet endroit existe, n'est-ce pas?
Bien sûr qu'il existe. Alors tu crois vraiment au conte de fées? Quand j'étais petite, papa m'emmenait camper à Mont-Tremblant. Il disait qu'on allait à la chasse au trésor. Évidemment, à l'époque, je comprenais pas, mais en fait, ils cambriolaient les chalets. Montre en or, bijoux. Je me rappelle de son sourire quand il volait quelque chose de spécial. Comme la fois où j'avais trouvé une pièce rouillée avec un empereur dessus. Il m'a dit que c'était une vieille pièce romaine. Inestimable. Mais il m'a dit de la garder. Que c'était ma clé pour un monde magique. L'Empire romain tout entier. À mon avis, je dois tenir ça de lui. L'amour des contes de fées. Eh ben, j'espère que ce bunker existe aussi. J'en suis sûre. La police a ouvert une enquête et les autorités se félicitent de la réponse rapide du City West. La zone a pu voilà. être sécurisée en quelques minutes. C'est ici que Tobias vend son matériel. Surtout des trucs de marché noir. Tu pourras y trouver des plans assez rares, si t'as de la chance. Il est pas là. Qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un dans le coin sait comment le joindre. Je vais jeter un œil. Sympa, la déco. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train de faire un poker, là. Ah ouais, t'as des clients. Hé, hey, je suis fermé, là. Ils jouent au poker. Je pourrais peut-être jouer avec eux. Un poker, hein? Voyons voir où tu te caches. Ça y est, je te tiens. Hé, hey, c'est quoi, ça? Il y a quelqu'un d'autre qui trace l'appel. Ça doit être des fixeurs. Hé, hey, tu vas pas le croire, j'ai trouvé l'autre là. Tobias, tu sais, je vais te chercher tout de suite. Ah le bâtard. Les voilà. Ils vont bientôt le retrouver. Je dois les arrêter. Je pensais qu'il y avait une voiture ici. Ah, il y avait une moto, c'est tellement mieux. T'avais raison, il est parano. Mais je l'ai trouvé. Tu veux y aller tout seul, c'est ça? Je comprends. On se retrouve sur l'île. Éliminé en fort fixeur ou je sais pas. Hop, on va sortir un en moins. Deux en moins. Baiser mon pote. Trouvez-le. Vous avez vu quelqu'un? Je crois qu'on a perdu la cible. Ok, cette fois il a disparu. Voilà. Bon maintenant, okay. Rendez-vous donc, à la partie on va aller faire un petit poker avec Tobias Fuller. Il y a que lui qui peut me faire entrer sur l'île de Clara. Je vais mettre. C'est quoi ce truc? System City Waves, ok. C'est vraiment une voiture de merde. Ah! Vous avez pourquoi encore? Pas le temps, host. Si je fais le taxi. L'amour et pas la guerre. Ah, ah ça y est. Merde.
Et voilà. Merci pour la thune. Du poker illégal dans le coin. Grosse surprise. Tobias doit être l'un d'entre eux. Membre de BitSec. Blogueur anti-capital. Tobias. Je suppose qu'il faut que je joue. $200, c'est pas grand chose. Oh, mais une petite partie de poker okay, s'impose. Toi, je te connais pas. Je le connais pas. Du calme. C'est toi, Tobias? C'est pas tes oignons. Bon, je vais prendre ça pour un oui. Non, prends ça comme un c'est pas tes oignons. Eh, t'es agressif comme mec. C'est pour ça que. Ça, c'est la voix de. La voix du mec, c'était la voix de. Comment il s'appelle? Daryl dans... Enfin, j'ai cru. La voix de Daryl dans The Walking Dead. Merde, j'ai trois mecs. J'ai plus de répliques, quoi. Je vais s'attraper, mec. Arrête pas. Ouais. C'est de la course poursuite, attention. Chaque fois, je n'ose pas les faire péter, sinon, je pense que je l'aurais déjà eu. Jeté par une table, on apprécie toujours. Oh, tu t'es arrêté, t'es mort. Attends. J'ai juste besoin d'un truc. Après, je te laisse filer. Non. Pas moyen. Ils vont le savoir. Je suis pas avec eux. Pourquoi je devrais te croire? Parce que je pourrais te tuer et me servir. C'est pas une réponse, mec. Bon, écoute. Je bosse pas pour qui tu crois. Cette conversation restera entre nous. Il y a pas d'alim au bunker. Rien. Pas de courant, tu piges? C'est devenu un vrai cimetière! D'accord. C'est pas très grave. Maintenant que j'y pense, c'était déjà comme ça, hein, un cimetière. Tous ceux qui se sont approchés de cette merde, on a tous un pied dans la tombe. Mais ça va. C'est tranquille ici.
enfin, je crois. Mais oui. Tobias, tu veux bien me donner la télécommande? S'il te plaît. C'est moi qui l'ai fabriqué, la télécommande. Oui. C'est ça mon truc, moi. Je bricole. Et c'est très bien. Allez, donne-la-moi. Oui. D'accord. Sound. Tiens, prends-la. Merci. C'est ta vie, après tout. Elle est lourde, hein? Ouais. Et crois-moi, ça va devenir de plus en plus lourd. Hey, dis. Si t'as besoin de quelque chose, n'importe quoi, hein, viens me trouver. Parce que je bricole, moi. Ça marche. Passer au magasin, acheter des outils artisanaux. Trouver des articles spéciaux. Brouillard, blackout, scan, studios. Ouais! Oh, ici c'est l'endroit où j'ai tué 3 personnes. Bravo, Raphaël. Je pourrais très bien devenir aussi taré. Tobias, je suis déjà recherché par les mêmes types. Et puis maintenant, je suis SDF, moi aussi. Mais il a pris des médocs ou de la drogue. Si j'étais lui, je ferais gaffe. Il est recherché par les fixeurs. Et s'il le retrouve, qui sait ce qu'ils lui feront. Vas-y, casse-toi, putain. Et au fait, Maurice m'a gentiment donné des coordonnées. Il a l'air convaincu qu'il trouvera quelque chose. Il dit que si tu veux des réponses, tu vas devoir suivre sa piste. J'ai aucune idée de ce qu'il veut dire, mais je pensais que ça pourrait t'intéresser. T'as eu raison. On progresse. Il veut que je comprenne pourquoi il a fait ça. Trouve-lui une récompense ou quelque chose, ok? Quoi? Je lui donne un cookie? Je sais pas. Sois créatif. Ok. Ce que je vous propose, c'est qu'on va continuer un peu. Une petite pause. On va essayer de faire la mission suivante. Je vais essayer d'écraser des gens. Pour la première fois de son histoire, Chicago a été proclamée ville la plus high-tech des États-Unis. Grâce au projet CityOS du maire Donovan Rushmore, Chicago peut désormais s'enorgueillir de posséder la technologie la plus avancée du pays. Ça, je m'attendais à ce qu'on doit se taper une partie de poker en entier. J'en ai fait quelques-unes, ça dure énormément de temps. Là. Let's go. On va au bunker. Au bunker. Il faut quand même que je fasse des missions pour augmenter mon équipe, parce que là. Avec tous les amis, c'est ce que j'ai fait, j'ai perdu une masse. Dans le coin. Le bunker. Clara compte énormément sur cette légende. Et Tobias avait l'air d'en avoir peur. Le côté mythique de l'endroit m'intéresse peu. Mais si ça peut m'aider à retrouver Nikki, alors pourquoi pas? T'as retrouvé Tobias? Ouais, ouais. Et alors? On a joué au poker, on a discuté gentiment. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Clara, le bunker existe. Je te l'avais dit. Il va pas sans moi. J'arrive tout de suite.
T'inquiète pas, je dois encore rétablir le courant. Ensuite, faut trouver une entrée. On se voit bientôt. Ok, d'accord, faut que je rétablisse ce courant. Donc apparemment, il y a trois endroits activés. Donc en fait, ça va être, j'ai l'impression que ça va être une sorte de repère, un peu comme dans... comme dans les Assassin's Creed, etc. Je sais pas, peut-être que je me trompe. Oh, une mode de cross. Putain, ouais. Ah, je suis désolé pour ta bagnole. Il a pas trop fallu que tu l'épluches pour trouver ma clé USB. Ouais, c'est la voix de Daryl dans Walking Dead. Hein. La balle est dans ton camp maintenant. Juste pour dire que j'ai déjà fait le coup de la voiture, bah, tu peux laisser la mienne tranquille. Ok. Avec B pour prendre les chaînes. C'est vrai que ce qu'on veut que la porte s'ouvre. Où y est-il? Ah bah, il est là. C'est tourne, c'est la minute. L'ambiance sonore est juste trop bien dans le jeu. C'est vraiment, vraiment génial. Alors ça c'est fait. Il était crashy. Ah non. Je suis un con. Un gros con. Oh là là. Je suis sûr que c'est écrit. Faire exploser. Avance rapide. Est-ce que je peux rentrer par ça? Ça va être trop... D'accord. Il vient de se prendre un stop par, par une lampe, le mec. Ouh. Ah oui, d'accord. Donc c'était faire exploser. Et moi, j'ai fait exploser le truc comme un connard. Donc comme je disais, l'ambiance sonore est juste extraordinaire ce truc. Comment je peux faire pour avoir accès à la vie? Il y a un endroit devant, je ne sais pas, peut-être. Non. Donc en fait, à mon avis, je suis descendu pour rien.
que je passe par ici. Où puis-je passer? Ah, mais d'accord. Ça te fait rire, hein. Ah, ces conneries-là, ça te fait rire, toi. Hop. Et de là, Luc 2. J'ai entendu le générateur se mettre en marche. Il va falloir plus de courant que ça. Tu peux chercher l'entrée. Comment Bloom a pu planquer un endroit pareil? J'espère qu'il y a un ascenseur secret. On appuie sur un bouton et le sol s'enfonce dans une base souterraine. Quoi, sous l'eau? On est sur une île. Ah oui, c'est pas bête. En haut alors. Un des immeubles. Je continue à chercher. Hop, on redescend. Les générateurs sont là. Je vais pirater la porte. Il y a un pont ici. Ah non, il y a une caméra. Oh là 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 là. Tant de skills. Alors maintenant, comment faire pour monter? D'accord. Ok, redescend. Non, redescend. Et tu montes, et voilà, maintenant tu peux y aller. Hop, on est là, on est à l'... C'est presque fini. Quand on y sera, tu pourras nous connecter au réseau. Attends, pour moi, c'est un rêve qui se réalise. Si je foire le coup, je t'autorise à déchirer ma carte de hacker. Attends, t'as vraiment une carte de hacker? Fais-nous entrer. Et peut-être que je te la montrerai un jour. J'y travaille. Oh, ouais. T'as trouvé mon fichier? Tu commençais à m'habituer à entendre « Shredding Men » dans le bunker 24 heures sur 24. Et dans ta voiture, et dans ton MP3, et dans tous les magasins où tu vas. Bon, si jamais tu veux le morceau, je vais le modifier un peu, ça va être cool. Attends-toi. D'accord. Enfin, Tobias, j'ai toujours pris pour un mec coincé, mais je me trompais vu que t'as trouvé mon fichier. Alors, j'espère que t'as aimé ta petite promenade à travers les sphincters les plus dégueux d'Internet. T'as préféré quoi, la torture sur testicules ou les fétichistes du poney? Allez, à toi. Hop, je suppose que c'est par ici qu'il fallait aller. Peut-être par ici après. Oh, c'est l'air d'être là.
Voilà. Attends-moi. Pourquoi ? Ça craint rien. Personne n'y a accédé depuis des années. Pourquoi ? Parce que je veux voir ta tête quand on ouvrira la porte. Hop. Wow. Le bunker, ça me fait penser dans Supernatural quand il a un bunker. On va bien voir si c'est comme ça. Suspense. Personne ne doit savoir. En tout cas, jusqu'à ce que j'ai fini. Bien sûr. Allez, allume la lumière. Bon, voyons si on peut rallumer tout ça. Vas-y, croise les doigts. Quoi ? On dirait que Bloom a pris le gros du hardware, mais les connexions, c'est ça le plus important. Voilà. On peut nous repérer ici ? C'est un site sécurisé, conçu pour être intraçable, incraquable. Ouais, on est pourtant sur le point de le craquer. J'ai besoin de savoir d'où vient cette adresse IP. Laisse-moi voir. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial ? C'est juste une piste, c'est tout. Comment Damien a trouvé ça ? C'est plutôt bien caché. Toutes les entrées sont fermées. On dirait que ça vient du quartier de Rossi Fremont. Le territoire des Viceroy. Là, la télésurveillance. Je peux m'en servir pour voir l'intérieur. Tu peux me connecter d'ici ? Non, ils sont complètement séparés du réseau. C'est très bizarre. Si je peux pas le faire d'ici, je vais me connecter à la source. Tout sera opérationnel avant ton retour. Ok. Bon, bah, du coup, les amis, on va se laisser là pour l'épisode numéro 12, 13. Numéro 13. Et je vous dis à la prochaine. On se retrouve pour l'épisode numéro 14. Peut-être que le bunker aura changé de tronche. Je ne sais pas. On verra bien. Et sur ce, bye. Ciao. Ravie de te voir, moi aussi. C'est pour ça que Bloom t'a viré.